aujourd'hui tout va finir. Parce que les politiciens nous prennent pour des gaou. On n'est pas gaou. On n'est même pas gaou. Ils vont prendre les bâtards, ils vont prendre. Alors, nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la Terre. Alors, mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. Et Sako, Nico, parlons, viens avec nous. Nous avons un nouveau combat. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Parce que, on dit que c'est de l'utopie. Mais tant que les humains n'auront pas muselé la bête en eux, cette bête qu'est la guerre, ils ne seront que des singes nucléaires. Yeah! C'est pour cela, Nico, viens avec nous. Prends Barak sur la route. Et vois Poutine. Il faut que la guerre soit abolie pour respecter les droits de l'homme. Chez vous. Parce que le budget militaire peut créer des emplois. Nous voulons la paix au Libéria. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix en Sierra Leone. Nous voulons la paix au Liban. Nous voulons la paix en Irak. Nous voulons la paix en Somalie. Nous voulons la paix entre Israël et la Palestine. Parce que Dieu d'Abraham est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu d'unité, un Dieu d'unicité, un Dieu de miséricorde. Aïe, we want peace in Côte d'Ivoire. We want peace in Congo. We want peace in Rwanda.
C'est bâtard, on met la patardise dans mon pays.